Salut tout le monde, c'est Last Baroudeur, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors non, ce n'est pas une vidéo sur la team Sadie. On a un tout nouveau projet. Un projet que je vous ai montré sur la précédente vidéo, qui est en gros un projet que j'avais en sub goal pour le level 24h. C'était de monter un yop du level 20 au level 200 uniquement en PVP. Et c'est maintenant, il s'appelle Last Couette. Jugez pas le pseudo, jugez pas les couleurs, c'est un petit délire avec le stream, faut être sur Twitch pour comprendre. Bon là je lance un petit colis pour test. Je vais vous montrer d'abord ce stuff là, je vais d'abord vous montrer le stuff que j'avais avant. Grosso modo je l'ai commencé level 20. Alors je vous préviens, il est full opti. On est sur un pare-chaud sans vita all. Enfin sans stat all, là je suis à 99 parce que c'est à cause de la cape qui m'enlève 1. Donc on a full pare-chaud. On a parchemin de sort Kawat, Flammy, Schaffer, Libé. Foudroiement, Arachne, on a tout. Donc là, c'est un petit colis vite fait. Ok, on est contre Ayop level 63. Bon, en vrai, je vais d'abord vous présenter ce stuff. On est sur un stuff feu, level 50. Je vous fais le combat et ensuite je monte le stuff. Parce que là, je pense en vrai, je vais me faire péter la gueule. Il y a même très peu de chances que je gère. Tant que je suis pas level 62, ceux qui sont level 60, ils ont un avantage de fou. Ils ont un avantage monstre. Donc, ouais, là, je vais pas pouvoir faire grand chose. Il va me taper avec des flèches harcelantes, je suppose. C'est pas grave, on va rusher. Donc moi je suis en R là, je suis en feu je veux dire, excusez-moi. Je suis en stuff full feu. On joue avec les animations de sort, l'affichage des dégâts et tout. Moi en tant que farmer, je vais pas mentir, ça me fait bizarre. Ça me fait vraiment bizarre. Donc le temps que mon tour se finit, je vais vous montrer les stuff. Déjà voilà, il faut savoir que je suis level 50, j'ai 1700 vita. On est sur un Abraska over, je sais même pas combien de vita, mais on a 240 vita. Une Abracap full FM 130 vita. Une Lenoture over 100 vita. Des potes ici over 130 vita. Une Piute full up. Un bouclier abracnite PA, un nano bandit PM 50 vita. Et que des items de fou. Je vous montre les autres items après. Bon du coup ouais, c'est bien cra air. Double flèche harcelante. Il tape plus que moi. Enfin non, je tape un peu plus que lui. Mais lui il tape sans ligne de vue. Ça va être ça qui va vraiment nous faire chier sur ce combat. Et pas, il va pouvoir se régénérer avec l'harcelante. Avec la flèche absorbante. Ou je sais plus comment, avec l'abso, je sais plus comment ça s'appelle. Du coup, je vous montre, on a aussi une branche LS 175 vita, un autre anneau 100 vita et un arc en lancé d'abractite d'FM feu 100 vita, 155 vita. Donc on a un stuff vraiment incroyable. Donc ouais, voilà, il tabasse bien, flèche magique, ça tape comme il faut. Donc là, je peux pas faire grand chose, j'ai qu'une seule avoue avec ce stuff. Soit on met l'arachne, soit on tente le chaffer crit, par pitié chaffer crit. Ah non, 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 chaffer crit c'était fini. Donc là, vu qu'il est en état truc, je peux faire une petite tempête sur le chaffer. J'espère que le chaffer va les taper dessus. Donc il va y avoir des petites vidéos, là c'est une petite vidéo de merde, c'était juste pour vous présenter le projet. Je vais vous montrer juste après mon ancien stuff, le stuff que j'utilisais avant. Et en vrai il y a un monde où... Ah ouais non mais non, ok il a 9 PA. Il n'y a pas un monde où je gère non. J'essaye de me mettre assez loin quand même. Là je pense qu'il va venir. Ouais voilà. Il a l'avantage... En vrai niveau dégâts au cac, en vrai j'ai l'avantage. Hein. Je tape plus que lui mais voilà, il va fuir comme une petite salope. Et il a clairement raison, hein, c'est... Il n'y a que comme ça qu'il pourrait gagner. J'aurais pu me puissance avant. Ah, attendez, il y a monde où... Il y a monde où t'es proche, je le tue. Hein. 358. Bon, le chauffeur, toujours, il est contre... Ah, non, bah non, il est juste à venir là. Ah, il est vraiment contre moi, cet enculé de chauffeur. T'es pro, est-ce qu'il me tue? T'es pro, il me tue pas? Ok, c'est gagné. C'est gagné de fou. C'est clairement gagné. Un petit crit, c'est finito. Level 63, on le fume. On up level 59. Il a un SP x4, ce petit up. Donc voilà, attendez, on a fait les choses un peu à l'envers. Voici le stuff que j'avais level 20. En gros, c'est Oram. C'est ce mec-là, en gros, c'est un viewer vraiment grave sympa qui me suit depuis longtemps. Il m'a prêté des stuff, les gars. Vous allez péter votre crâne. Des stuff, j'ai jamais vu ça. Déjà ça. Un nano bandit, exo PM over 50 vitalité. Bon, à un moment donné, faut se calmer. Un nano à bras, GPRF PA. Des items, GPRF. Regarde là, le thème, il est GPRF sans vitalité. Rune de trans et tout, hein. Il n'a pas fait les choses à moitié, c'est des items de fou. Et encore, vous avez pas vu la panneau move tout. C'était la panneau que j'avais du level 20 au level 50. C'était des items de fou, full GPF, over 100 vitalité, tout. J'étais en 8-4 au niveau 20, 8 PA, 4 PM, 400 force, et j'avais 1400 vitalité. Le premier colis que je lance, du coup j'ai quelques screens de mes tout premiers colis. Là tu vois, j'étais niveau 40, j'ai un 45, là j'étais niveau 42, j'ai un niveau 57. Là j'étais niveau 50, j'ai un 63. Là on avait gagné un 3v3, là j'étais 10 levels d'écart, je gagne. Ici presque 20 levels d'écart, je gagne. Ici, lui il était chiant. J'avais perdu quelques fois contre ce SRAM. Mais le premier colis que j'ai lancé, j'étais level 20.
En face, c'était un level 40, il avait 300 HP. Je l'ai OS, alors que j'étais level 20. N'importe quoi. Du coup, là, je suis vraiment chaud de fou à reprendre le PVP. Donc, si vous êtes chaud sur YouTube, n'hésitez pas à me le dire. Je vais essayer de relancer un colis, je suis pas sûr que ça va trouver un colis. Et pareil, sur Twitch, en ce moment, on fait que du PVP. On joue que avec ce Yop. Il a blindé de stuff à me prêter, level 60, etc. Donc, si vous avez des bons stuff PVP sur Hagrid, si vous pouvez les prêter, n'hésitez pas. Je vous passe une caution, je vous file des stuff en échange ou autre, n'hésitez pas. Pareil, il a ma max de craft, des 1 milliard de craft. Et j'ai crafté 2-3 milliards, grosso modo. Ça a été fait. Donc là, par exemple, je me suis connecté tout à l'heure, j'ai vendu 133 lots pour 84 millions de kamas. Donc ça fait plutôt plaisir. Il y a une vidéo qui arrive dans 30 minutes sur YouTube pour mon Amanax de craft. Il y a 50 millions à gagner d'ailleurs. Bon, ça sert à rien que je vous le dise parce que cette vidéo-là sortira après. Mais voilà, ça va être cool. En tout cas, si vous voulez voir du PVP sur Twitch, n'hésitez pas. Si vous voulez voir du PVP sur YouTube, dites-le moi dans les commentaires. Ça va arriver. Je vais essayer de travailler les petites vidéos PVP, de montrer le stuff, de faire du petit montage vite fait. Il faudrait que j'arrive à trouver un petit monteur. S'il y a un monteur dans le chat, les gars, que vous êtes chaud, je vous envoie quelques combats. On se fait un petit montage dynamique et tout pour commencer à faire du petit montage sur Twitch. N'hésitez pas à m'envoyer un petit DM, ça serait cool. En tout cas, moi, je vais kiffer de fou refaire du PVP. Ça m'a manqué énormément. Je sais pas, j'avais trop envie de faire du PVP. Et là, vous regardez ce stuff, du coup, je suis à 1700 Vita, 11.5 au level 50. Hein. Y a rien au-dessus du level 50, il me semble. Y a quoi qui est level 50, d'ailleurs? C'est même pas level 50, en fait. C'est level 45, ce stuff. 48. Ouais, level 48. C'est incroyable. 500 Intel au level 48. Avec 1700 Vita, 11.5. Y a des mecs level 100, ils sont moins optiques que ça. Mais genre, aucune blague. Il y a vraiment aucune blague, il y a des mecs level 100, ils sont clairement moins opti. Je vais vous montrer les dégâts sur un putsch. Si jamais il y a des gens qui sont sur Hagrid, qui ont des stuff full opti du level 60 au level 100, level 120 ou quoi, n'hésitez pas. Comme ça, moi, ça m'évite d'aller tout FM et tout, parce qu'à l'FM sur Hagrid, avec la qualité des mecs qui FM, c'est vraiment un bordel. Mais regardez, avec une petite puissance, franchement, ça tabasse. Hein. Les dégâts sont quand même assez bons. La tempête, ça se tape assez loin. Les flammes, je tape du 150 avec une grosse PO sans l'épée divine en plus. Avec l'épée divine, on monte à quoi? 175. L'arc en racine d'arachnide, pareil, je peux le faire deux fois à full distance. Donc si je tombe contre une classe distance, je peux faire l'affaire. On tombe contre un steamer. Les steamers à ce level là, ils sont pas mal d'opou. C'est un steamer d'opou justement. Pareil, par contre, les maps Coliseum, je savais plus. Moi, bon, vraiment, hein, à l'époque, j'étais uniquement PVP. Je faisais des gros tournois, etc. etc. Là, j'avais pas fait de PVP depuis un moment. Waouh, il y a des classes. Ils sont devenus chiantes quand même. Ils sont devenus vraiment chiantes. Hein. Tout ce qui peut me sauver. Là, il a fait quoi? Bah, du coup, il joue bien Dopu. Dopu, c'est trop fort à ce level-là. Là, tout ce qui peut me sauver, c'est un petit chafar crit. Oh, il veut jamais crit, cet enfoiré. On va quand même essayer d'aller le faire taper. Ça pourrait m'aider. Let's go! Ah bah. Ah bah non. On y a cru. On va essayer de gagner, je vous promets rien. Pareil, la bêta, j'y connais rien du tout. En gros, là, c'est pour me chauffer, pour reprendre le PVP par la suite. Hein. Là, je fais du PVP à ce level-là. Ça me faisait un bon petit sub-goal. Et puis, ça me fait réapprendre un peu les classes en face et tout. Ça me fait surtout réapprendre mon Yop. Le Yop qui est de base mon main. Il a toujours été mon main. Ok, donc là, il a éclaté mon chauffeur. Moi, je vais simplement faire ça. Ça. Donc, on tape quand même assez bien. Hein. Franchement, niveau dégâts, c'est pas dégueu. La flamiche est plus intéressante que l'arc en racine. Dommage qu'il ait tué le chaffeur, sinon j'aurais pu faire proc la tempête sur le chaffeur. Là, on l'a déjà mis de long en vrai. La puissance, on ne l'a plus à ce tour-là. C'est dommage. On va la relancer, on va pas essayer. Ok, pourquoi la harponneuse ici? Je comprends pas. J'ai pas compris. Il va me TP, Mdopu. Marée. Pareil, les noms des sorts, je connais plus du tout. Donc si vous êtes chaud, s'il y a des pros PVP ou quoi dans le chat. What? Ok, d'accord. Double. D'accord, pourquoi pas. Là, du coup, je vais pouvoir le triple tempête. La tacti va pas me faire si mal que ça. Ouais, ça va en vrai. Mais il faudrait pas que je reste ici. Parce que je vais prendre quand même assez cher. Donc là, quand c'est comme ça, si je tape ici ou si je tape ici, ici ça tape les deux, c'est mieux. Ça, il va se sentir obligé de soigner sa truc. Donc là, je vais prendre tarif. Là, je vais prendre vraiment tarif. Je vais prendre double torpille. Longue vue, torpille. Longue vue sur lui. Et la tactique qui va me taper. Là, je peux tuer la tactique à ce tour-là. Oh, j'aime trop le PVP. Oh, j'aime trop le PVP, ça fait. Oh, putain.
Non, ça c'est trop. Oh, regardez-moi les dégâts. Par contre, il m'a pas tapé du coup avec la tacti. Je trouve ça un poil con. Surtout que là, je peux tuer sa tactirelle. Ça c'est très 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 mal joué de sa part. Et là, il est. Ah non, je l'ai pas mis en état d'impète. Là, s'il recule de fou, il peut me mettre dans la merde. Mais je pense que là, c'est gagné. Je vois pas comment il me tue. D'accord, je suis contre un mur, ça peut faire mal. Sauf qu'il fait ça fin de tour, il aurait dû me dopou et ensuite mettre la tacti. Il joue pas très bien, je trouve. Là, il a plus aucun moyen de s'échapper. Le Schaffer Crit, par contre, il aurait fait ça début de combat, c'était perdu. Schaffer Crit à ce level-là, c'est instantanément perdu. Et si vous avez des petits conseils aussi en Yop PVP, hein, ça fait. Je suis main Yop, j'ai déjà fait des gros tournois. C'est On va dégueu, dire, c'était quand même. J'ai déjà été top 1 PVP 1v1, top 1 PVP 3v3. Non. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Donc si vous avez des petits conseils, des petits stuff potables et tout, je prends. Bon, on l'a fumé. Deux colis de victoire. Ah écoutez, on a ça dans le sang, on a ça dans le sang les gars. Ceux qui connaissaient du moins sur Hagrid les gars, MP Rox. Ça se la mettait 2.0, stuff full PVP. Du coup voilà, level 62, on aura le droit à nouveau stuff. Donc comme d'habitude, si vous avez kiffé la vidéo, le petit like, le petit commentaire. Et on n'hésite pas, s'il y a des musclés dans le chat, s'il y a des mecs qui font de la muscu, je suis en partenariat avec Nutrimuscle. Vous pouvez venir sur twitch.com/Nutrimuscle, il y a un petit code promo. En gros c'est NM-du-bas. Baroudeur 10 NM-du-bas baroudeur 10 code moins 10% sur Nutrimuscle. Je vais vous en parler incessamment sous peu. Je pense que je vais vous faire une vidéo. Je vais faire une vidéo de comment vivre sur Twitch, comment vivre de Twitch, etc. Vous montrer toutes mes stats, tous mes trucs et tout. Donc si ça vous intéresse, pareil, n'hésitez pas à poser des petites questions là-dessus. Dans tous les cas, moi je vous laisse là-dessus. C'était Last Baroudeur. Non, c'était Last Quête. A bientôt pour une nouvelle vidéo PVP. Et on va mettre un peu en pause le PVM. Donc voilà, le petit like, le petit commentaire. Et à tout de suite sur Twitch, les gars.